pas que la République perd là un homme d'État accompli, qui a gravi toutes les marches de la gestion de l'État, pour avoir été non seulement enseignant à l'école normale supérieure, mais directeur général de l'enseignement, ministre de l'éducation, premier ministre, ministre des Finances, haut fonctionnaire à l'UNESCO, ambassadeur du Congo à Paris. On peut dire oui, et c'est une grande perte pour le Congo. Une grande perte, non pas seulement par les fonctions qu'il a assumées, mais par les idées qu'il a incarnées et qu'il a défendues. C'est un grand intellectuel à l'humanisme éprouvé. On ne va quand même pas oublier qu'il a été l'un des grands éclaireurs de la vie politique de notre pays. Il n'y a qu'à voir l'engagement qui a été le sien aux côtés de bien d'autres. Au cadre, je citerai en passant Jean-Pierre Tister Tshikaya, Pascal Lissouba, lorsqu'à l'époque, ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République, Massamba Déba. Donc, on voit déjà comment l'engagement de l'intellectuel s'était affirmé depuis là, pour avoir inauguré la culture des lettres ouvertes au président de la République dans notre pays. Oui, le Congo perd un grand homme de culture au travers de sa plume que je qualifie d'indélébile parce que les œuvres d'Henri Lopez resteront gravées dans la mémoire des Congolais. Ils se souviendront toujours du pleurer rire d'Henri Lopez qui a été retenu dans les programmes d'enseignement. Ils ne manqueront pas de se rappeler de Tribalik. Donc, toute notre jeunesse a été aussi impactée par l'œuvre d'Henri Lopez, comme bien entendu les Trois Glorieuses, cet hymne qui a irrigué la marche de notre pays pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc, le Congo perd une grande figure de la vie culturelle, une grande figure de la diplomatie, un écrivain de haut rang et un grand fonctionnaire international, parce que ils ne sont pas nombreux dans notre pays à avoir assumé des fonctions de directeur général adjoint de l'UNESCO. Le Congo perd un homme politique, un homme d'État, d'une probité reconnue par tous. Je pense qu'il est l'un des rares hommes politiques, rares hommes d'État, à ne pas traîner des casseroles, comme on le dit souvent, puisque parfois vous avez des casseroles qu'on vous impute. À titre personnel, bon, j'ai toujours l'impression d'emprunter des voies balisées par Henri Lopez. J'ai été ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Henri Lopez m'a précédé sur ce chemin de ministre en charge des enseignements. J'ai le bonheur, grâce à la volonté du président Denis Sassou Nguesso, d'assumer les fonctions de premier ministre. Henri Lopez m'a précédé dans cette fonction de premier ministre. Je suis, par bonheur, devenu depuis quelques mois membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Henri Lopez m'a devancé au sein de cette académie. Et quand on a comme ça quelqu'un qui se présente à vous comme un devancier, vous ne pouvez que vous intéresser à son œuvre, à son action. Il reste donc un ouvrage d'enseignement. Vous voyez, Henri Lopez, en tant que personne, en tant que haut cadre, haut dirigeant, en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme politique, est le condensé d'un enseignement que je me dois d'apprendre. Il est donc lui-même un ouvrage pour moi. Et j'essaie de lire ses œuvres pour comprendre comment il a pu marcher,
quand il avait publié son ouvrage « Il est déjà demain », j'étais surpris de retrouver dans la relation des faits, en tant que ministre en charge des enseignements à l'époque, il soulevait les difficultés que nous rencontrions encore jusqu'à aujourd'hui. Des difficultés sur les classes pléthoriques, des difficultés sur les tables bancs, des difficultés sur la méthode d'enseignement. Et ces problèmes sont actuels, je suis venu les trouver. Et j'ai vu parfois de quelle manière il les a abordés à l'époque. Voilà, donc, comme j'étais en train de le dire, il est pour moi tout un enseignement. J'ai eu le privilège de procéder au lancement de la promotion à l'international du FESPAM dans les jardins de l'UNESCO, en sa présence, comme si c'était le moment des ultimes adieux. Oui, j'étais heureux ce jour-là de le retrouver là, heureux de le voir célébrer ce moment avec nous, lui qui est un homme de culture, lui qui est un amoureux de la musique, du jazz, de la rumba. Nous étions donc heureux de le retrouver ce jour-là. Nous venons donc de perdre un intellectuel d'un humanisme très éprouvé, d'une probité établie et reconnue. Je prie simplement que son âme repose en paix. Henri Lopez est parti, mais son œuvre reste avec nous.